L'association Vague d'Espoir, c'est une asso qui est créée depuis 2004 par Ismaël Guillory. Lui travaillait sur sa prothèse pour apprendre à faire du surf en tant qu'amputé. Et moi, j'étais en stage en tant que kinésithérapeute. De là est née l'association qui, peu à peu, a organisé des journées, des week-ends d'activités sportives autour du handicap. On organise tous les ans un gros week-end handiglisse où on rassemble 150 personnes, 50 handicapés et 100 valides, pour pratiquer toutes nos activités, le kayak, le char à voile, le surf, le cerf-volant, bientôt le kitesurf. Par le biais de ces activités sportives, créer des rencontres entre les handis et les valides, un paraplégique ou un tétraplégique qui ne va pas pouvoir se déplacer. Le problème est d'accéder à l'eau. Pour ça, Ismaël a développé la technique du parking à la vague. On va former un petit peu les valides à accompagner une personne handicapée depuis sa voiture jusque dans la mer. Les activités sportives, ça nous plaît, mais ça n'est qu'un prétexte finalement pour fédérer les gens.